Salut les copains! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, nous sommes actuellement en vacances avec ma soeur qui est juste ici derrière moi. Yo bitches! Voilà, je suis en train de tester mon trépied genre, regardez. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Nous sommes en vacances à la montagne, dans un endroit totalement paumé, tellement paumé que nous n'avons pas la wifi. C'est pour ça d'ailleurs que je vlog. Si, on a la wifi. Moi je l'ai pas. Serene qui a toujours rêvé de vivre comme Heidi Heido là. Est-ce que tu m'entends crier? Oui, ce matin. Oh, hier soir, c'était énorme parce que Serene elle dormait dans le lit bah, qui est juste là. Je sais pas si vous verrez, mais bref, voilà. Et moi, genre dans ce lit là, juste ici. Dans ce lit là. Lila comme la fleur. Oh là là. Et ah, bref. Je n'avais pas celle-là. Mais maintenant, tu l'auras. Ouais. Comme Laura. Non, là c'est trop. Le prénom non, ou alors Laura le. Non, là c'est trop. Une aura quoi. Me saoule, dégage. C'est vraiment nul. Au pieu, au piquet, au feu. Mais super, calcinez-moi. Calcifère. Hein. Le château ambulant. Bref. Hein. Bon, du coup, je disais quoi. Ah oui, hier soir, Serene elle dormait donc dans ce lit là. Et je trouve que dessus de son lit, il y avait des souris qui étaient en train de bouger. Bah, en gros, dans le plafond, j'ai mis souris, moi. Il y a des souris. Il y a des souris, du coup, bah, Serene n'était pas trop rassurée, mais bon, ça s'est bien passé. Attendez, regardez. Elles ont été gentilles. C'est trop beau. La vue sur de la fenêtre est magnifique. Ils ont mis un escalier. Sauf que, bah, on peut pas y accéder, donc bon, ça sert à rien. On va faire un petit tour de la house. Voilà, c'était le tour de la house. Et moi, je suis en train d'essayer de travailler. Mais c'est pas facile. Ah, oh bah super, aucun service. Je sais pas si vous verrez. Non, vous verrez pas. Je fais comment moi maintenant? Je fais comment pour travailler? Non, les gars, j'en ai trop marre. Il y a ma soeur et moi, on a passé je sais pas combien de temps à essayer de rallumer le feu. Là, regardez. Regardez où il en est le feu. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous l'ai montré? Il y avait des belles flammes et tout. Là, vous regardez comment il est. Et ma soeur, elle me croit même pas. C'était vrai, faut qu'on rallume le feu. Ah bah voilà, elle descend parce que voilà, je filme. Du coup, elle se dit que c'est vrai, donc elle descend. Ah si, il reste une flamme. Regardez là. Vous la voyez pas, hein? Non, vous la voyez pas. Regardez sa réaction quand elle va voir qu'il n'y a plus de feu. Allez, on y va, Serene. On remet du feu. Nous n'avons pas de soufflet. Nous devons souffler avec notre bouche. Mais nous n'avons pas assez de souffle. Donc le feu, entre-temps, s'éteint. Super intéressant. On remet une bûche? Vas-y, on remet une bûche. T'es sûr, hein? J'irai que c'est ta faute si ça marche pas. Youpi! Comment elle nous met ça, elle? J'ai pas envie de me brûler, wesh! Non, mais vas-y, souffle, 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 peux souffler! Mais Sarah, t'es en train d'étouffer! Non, t'inquiète pas! Et Sarah, tu vois bien que ça. Oh là là! Oui, bah, tu vois, ça crame le bois, c'est parfait! C'est exactement ce que je voulais! Me souffler, c'est tout! Quelle blaireau, celle-là! Mais c'est moi la blaireau! Ah, oui, mais regarde, c'est en train de prendre feu! C'est toi qui vas étouffer le feu, là! Prends un magazine, prends un magazine! Un magazine! Non mais ça marche bien! Ah mais elle sait pas faire! Tiens, prends ça! Oh là là, mais elle m'emmerde, c'est moi! Mais elle m'emmerde! Tiens, c'est bon qu'on vient faire! Hé! Ça m'a arrêté! Tiens, c'est parce que j'amène le bout de bois à toi! Il y a des moments où on est fatigué dans la vie, ok? Ah! Pourquoi quand tu ressouffles derrière, tu éteins tout? Parce que moi je fais une chaudasse, je sais pas comment allumer un feu. Hey!
Regardez notre feu comme il est beau. Solène, pose, je vais faire un selfie. Prends feu au milieu du bois. Je dirais qu'il est en train de faire cramer un chamallow. On va partir se promener. Et actuellement, nous allons voir notre voisin. Je sais pas si vous voyez. Un petit bébé. Vous voyez ou pas? Il y a un toutou. Enfin, un toutou, n'importe quoi. Et là, vous pouvez voir ma soeur, Stérène, totalement fan des chevaux. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why, can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of... Qu'est-ce que tu nous fais? Je suis trop contente, je viens de voir un cerf. Voilà, j'ai un peu abandonné le groupe. Je suis partie devant parce que justement je voulais avoir des animaux. J'ai vu un cerf. Bon, j'ai un peu crié quand je l'ai vu. Je fais waouh, un cerf! Mais c'est pas grave. Je suis trop contente, c'est trop beau. J'ai l'impression d'être dans Princesse Mononoke. Ah, c'est flou pour vous. En vrai, je vous regarde, on se croirait trop dans Princesse Mononoke. La forêt d'un côté, la déforestation de l'autre. Now I'm thinking of by the cottage blows. Yeah, I wanna. Myself inside the juice, yeah, you know I keep on running from the truth. Is that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Coucou les copains, on se retrouve dans la journée numéro 2. Bon, j'ai une dégaine de plouc, mais j'ai trop froid. Là, on découvre un petit peu la région, le coin. On marche sur la route. Yo yo yo. Et là on arrive à un truc. Ça fait un peu peur. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez. C'est des genres de totems. C'est trop chelou, je comprends pas. Ça me fait penser. C'est un peu flippant. Hein. Il y a des choses pas nettes qui s'y passent. On dirait les trucs de sorcières là sur les arbres. Les gens s'approchent des trucs en haut. Il y a des clous, c'est super. Bonjour, est-ce que c'est pas un peu chelou? Tous ces totems là, bizarre. Ça fait penser un peu à la secte des mandarums. Je sais pas si vous connaissez la secte des mandarums. Je vous conseille d'aller voir. Oh. Quelqu'un qui a laissé ses affaires ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas... Faut pas juger, hein. Parce que c'est de l'art. C'est un artiste incompris qui a fait ça. Mais incompris, ça cesse sur moi, je comprends pas. Hein. Non, en vrai, c'est sympa. C'est original. Ça met de la gaieté dans la vallée. Mais... C'est un peu gênant. Nous sommes actuellement partis sur un petit site gallo-romain des ruines qui sont dans la région de je ne sais pas ce que. Ça vaut peut-être pas le coup. Il y a le petit site gallo-romain où là vous voyez rien du tout. Standing. Quoi? Parcours! Jeanne! Au secours! J'arrive! Jeanne!
Paco, t'as besoin d'aide? Franchement, pas mal du tout, à part qu'il fait un peu froid, ça se voit pas du tout. Pourtant, franchement, je suis pas une personne de base qui est froid, hein. Mais là, je me suis fait mal en essayant de te rejoindre. Mais pourquoi ça filme? Voilà, quand elle a quelque chose d'autre à faire, forcément, c'est vous qu'elle me donne. C'est insupportable. Oh bah je sais pas cadrer, je suis pas youtubeuse moi, comment qu'elle fait? Mais c'est censé être télescopique, pourquoi ça l'est pas? Comment qu'on fait? Ah oh, je suis à l'envers. Comment ça je suis à l'envers? Pourquoi je suis... Je suis à l'envers, je comprends pas. Il me donne 30 secondes son truc et je sais pas. Ah, tiens, regarde. Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas. Ah. Oh là là, c'est avec une boulot. La capuche, arrête. Vous êtes tombée seule. On est un peu folle, si vous n'avez pas compris. C'est trop chaud. Et là il y a des ruines. Tu veux faire un parcours? Par contre c'est pas respectueux pour les ruines. Super les enfants là. Attends, pousse le mousse toi. Alors là je vous envoie ça. Regardez, il y a des gens, ils viennent dans la nature jusqu'ici, juste pour faire des tractions. Super en tout cas. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh putain, il va falloir qu'on monte tout ça tout à l'heure. Bah, ça filme même pas. Je fais du blabla, ça a même pas filmé. Je disais que derrière moi, ça parle sur la gueule de certaines personnes et que cet angle de vue est vraiment moche, mais c'est pas grave. Du coup, je vais ralentir pour essayer d'entendre ce qui se passe. Par contre, il pleut là, donc je vais pas trop ralentir en fait. Mais regardez, il pleut de fou. Regardez, je me suis trouvé un copain, le bâton. En vrai, c'est plus pour le style que pour marcher. Ça me fait penser à Moïse. J'ai l'impression que je vais pouvoir couper la rivière en deux. Regardez où est-ce qu'on marche. On marche dans des endroits un peu glauques. Hein. Allez, on y va. Youp. Oh la vache. Aïe, aïe, je m'en suis pris dans la gueule. Ah, ah. Aïe. Je vais me casser la gueule. Nous sommes actuellement en pleine campagne pour revenir sur l'épreuve. On comprend pas tout à fait. Il y a une croix bleue là et une autre là-bas. On est perdu. Bah, parce que là, il veut nous faire attraper une route. Nous sommes actuellement perdus dans la campagne. Non, c'est en vrai, c'est sympa. Parce qu'on a fait la randonnée, je suis ravie. Non, mais. En plus, pisseuse comme je suis, c'est vrai que j'ai pas du tout envie de faire pipi. On a fait pipi dans la nature comme tout le monde. Mais non, de toute façon, on va retrouver notre chemin, y a pas de soucis. De toute façon, toutes les routes mènent à Rome, comme on dit. On a enfin pu retrouver notre route, même si c'était pas gagné. Je vous jure, je rigole même pas, on était vraiment perdus. Normalement, on devait faire une balade de 30 minutes. On a fait une balade d'une heure et demie. Hein. On s'est vraiment perdu. Si quelqu'un passe par là, je laisse mon bâton de marche ici. Comme ça, voilà. Regardez-le, il est grave sympa. Franchement, il m'a grave bien servi. Bisous, coco. Bisous, frérot. Goodbye, my friend. Goodbye, my lover. Par contre, maintenant, j'ai la main dégueulasse. Bon, on va rentrer. C'est pas que ça, mais il y a l'apéro qui nous attend. Bonsoir les amis, nous sommes dans la troisième journée
de ce même blog. Et nous allons voir une petite personne. Regardez-la. Elle est partie voir notre ami le cheval. Ils vont partir sans nous. Ils sont en train de partir. Ou en coin pipi. Chaussure. Ou en coin pipi. Quelle belle chaussure. Qu'est-ce que t'as un problème avec mes chaussures? Franchement, notez ces chaussures de 1 à 100. Notez ce swag avec les chaussettes par-dessus. Ma vie est un swag. Nous sommes en train de nous balader au bord d'un lac. À partir du moment où on est dans la nature, tout est trop beau. Tu peux faire pipi là? Oui, là tu peux faire pipi. Regarde, bah oui. Là. Bon bah c'est pas grave, on va s'en aller. On va parler grave, nous. Petite expédition dans la forêt. Petite fille. Mais putain, regardez où est-ce que c'est mis. Juste à côté de la route. Pour faire pipi. Non, c'est vrai, vraiment, on monte un peu plus haut. Hein. Va te mettre au moins là, je sais pas. Hein. Okay, bah, un petit peu plus haut. Elle me dit, j'ai pas envie d'être vue. La route, elle est juste là. Elle se met là. On est chez les fous, là. Ça me rappelle, Sérène. Il y a une autre route. Il y a une autre route ici. Ah oui. Non, sérieusement? Oui. Ça me rappelle une certaine petite histoire d'une fille qui cherchait désespérément un coin tranquille pour faire pipi et finalement elle a trouvé le pire coin en pensant que c'était l'endroit le plus tranquille. Il y a quand même un panneau, ce qui veut dire qu'il y a une route. On s'en fout. Une voiture. Coucou Sérène! Comment ça va? Tu fais pas coucou à la caméra? Tu fais pas coucou à la caméra? C'est le moment de faire la miniature. Tu mets ça sur YouTube, je te jure, je te tue. Oh là là, c'était très drôle. Je rigole, mais ça va vraiment être la miniature. Hein. Oh là là, j'ai chaud. You're just too good to be true. Coucou Gino. Regardez comme elle est contente. Elle est très contente de me retrouver. Ah, elle-même. Notre point de départ, c'était tout là-bas. Le truc blanc là. Mais en vrai, ça c'est rapidement le petit tour là. Regardez, on a un totem juste ici. Je sais pas à quoi il correspond, mais il y a un totem. C'est une barbe du chef ? Ouais, je crois que c'est une barbe. Regardez, il y a des trucs glauques qui s'y passent. Je vais essayer de me rapprocher le maximum possible. Mais je suis pas sûre de pouvoir. Attendez, il y a ça au milieu de l'eau. Un tipi avec un masque. Présentation du corps. Oh. C'est flippant. Mon dieu, les gars, ça fait 30 minutes qu'on est là, qu'on cherche une putain de source qui s'appelle Source de la Vienne. On a fait des allers-retours, on a croisé les keufs, on a fait des trucs mais insupportables. Et cette route là, on l'est passée comme ça, fioup, on est repassé comme ça, on est revenu ici, on est parti tout là-bas, on est revenu ici, on a refait comme ça et on revient et là enfin. On voit quoi? La source de la Vienne. Bah, regardez, il est marqué source de la Vienne. Bah finalement, on n'est pas allé au machin de la source, la source de Vienne. Parce que bah, il est presque 18h. En plus, on venait de croiser les flics, donc on n'a pas vraiment voulu y aller. Mais on s'est arrêté au même endroit qu'hier. Là où il y avait la petite source d'eau. En gros, apparemment, elle fait des miracles. Il y a eu une apparition, je sais pas trop quoi. Bref, du coup, mon père l'a bu hier. Il a été bien dans le reste de la soirée. Donc là, il voulait y retourner aujourd'hui pour être de nouveau bien le reste de la soirée. Pensez ce que vous voulez. Il boit son eau. Demain, il va avoir la chasse toute la journée dans la bagnole. Encore. T'es vraiment en train de boire tout le temps. Et on repart. Ah non, alors merci. Vas-y, moi je veux bien la goûter. Allez. Je la goûte. Moi je fais le même depuis des années, ça va bien finir par se réaliser. C'est bon, allez. Elle a bon goût. Bah c'est de l'eau quoi. Je rebois un petit coup, allez. Il y a quand même des bestioles dedans. Je sais pas si vous les voyez, les petites bestioles et tout, mais c'est pas très rassurant. Elle était pas bonne, elle était dégueulasse même, très dégueulasse. Bon bah maintenant on rentre hein. C'est le dernier soir et je suis actuellement en train de faire ma valise. Ce fut 4 jours fort intenses et fort sympathiques dans une maison à la montagne. C'était très agréable ce petit jour de vacances. Je vous ai même pas fait le room tour de l'étage
Donc pour accéder à l'étage, il faut prendre ce petit escalier. Pouf. Ici, on arrive tout de suite sur une chambre. On va pas y aller parce que c'est pas à moi. Là, on arrive sur une petite... Bref, esplanade, non, estrade, je sais pas trop comment ça s'appelle. Là, un premier lit. Donc ça, c'est le mien. Ah, j'ai plus de batterie. Très rapide. Là, un deuxième lit, c'est celui de ma soeur. Ici, les WC qui sont en liaison directe avec la douche. La douche, là où ma soeur prend sa douche. J'espère que ce petit house tour vous aura plu. Donc je vous dis à bientôt les copains. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et j'espère que vos vacances à vous se passent bien. Pour ceux qui sont déjà rentrés en cours, bon courage à vous. À bientôt, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss les gars.